Si est-il la fête la plus importante à Monaco? Ce vendredi 19 novembre, le prince Albert a célébré la fête nationale de sa principauté. Mais même si Charlène de Monaco est rentrée sur le rocher, la maman de Gabriella et Jacques était la grande absente de cet événement annuel, dont le point d'orgue est tout de même une soirée de gala au Grimaldi Forum, dont cette année, le thème fut Placido Domingo, nuit espagnole. Oui mais voilà, la princesse a manqué aux invités. Le prince Albert a tout de même tenté de combler l'absence de son épouse et il a pu compter sur sa famille. En effet, après avoir manqué les trois dernières éditions, Charlotte Casiraghi, la fille de la princesse Caroline, a fait la surprise aux invités de participer aux festivités. Entre le souverain et sa mère, celle qui est devenue ambassadrice Chanel, s'est imposée comme un membre de la famille à part entière. Elle était également en compagnie de son fils, Raphaël. Le clan est donc resté très soudé aux côtés du prince Albert qui se retrouve toujours sans sa femme, bien que celle-ci soit rentrée d'Afrique du Sud. Revenue le 8 novembre dernier, elle est en convalescence dans un lieu toujours tenu secret. Le prince Albert II, elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. La princesse de Monaco doit se reposer afin de se remettre très rapidement sur pied et pouvoir retrouver son mari et ses deux enfants. Le prince Albert a tenté de rassurer ses sujets dans une interview pour le média People, dans laquelle il a donné des nouvelles de son épouse. Elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle était dépassée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille. De toute évidence, il y a eu des conséquences de ces différentes chirurgies et des procédures qu'elle a subies au cours des derniers mois. C'était certainement un facteur, mais à ce stade, je préfère ne pas commenter davantage. Je peux dire qu'elle souffrait d'une fatigue incroyable. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours et elle ne mangeait pas du tout bien, a-t-il confié.